Salut les gens, c'est Bobby. Et donc, si je compte. Et Yami, oui. Oui, Yami, désolé, je t'avais oublié. Je suis toujours là, hein, je suis. Oui, bah, pour ceux qui l'aiment, hein, voilà, mettez les pouces. Bref, désolé. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le quatrième épisode d'Amnesia, les gens. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons la chance, enfin, la chance, je sais pas, d'être accompagné d'un. Oui. D'être accompagné d'un petit enfant. Il y a un an de moins que toi. Ouais, bon, fuck it, moi je le traque comme un enfant parce qu'il est. On est accompagné d'un visiteur, d'un perturbateur, d'un élément. Voilà, d'un perturbateur. Voilà, il le dit, les communistes ne votez pas pour lui, les gens, il a l'intention d'être dans la politique. Bref. Voilà, j'ai sacrifié tout ton avenir. Donc, allez. Si vous entendez une troisième voix, c'est normal. Voilà. Donc, on reprend à nos oignons, on continue cette partie et on reprend la partie. Parce qu'il ne croyait pas quand on nous disait qu'on jouait à un vrai jeu d'horreur. Donc, voilà. Alors. Parce que là, on attaque vraiment la pire partie, enfin, une voilà, des pires. Donc, un zombie s'est libéré de sa putain de chambre. De chambre. Ouais, il était si dans une pièce, que... j'ai ouvert la porte, j'ai entendu un gros bleu. Même si je pense pas que les zombies payent le loyer, mais c'est pas grave. Non, ils sont là à l'improviste, ils campent. Comme les mecs turcs à côté, là qu'on a bien supporté. Ouais. Et oui, parce que les petits frères, hein, comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est chiant, surtout ceux qui jouent à Call of. Bon, allez, bref. Arrêtons la propagande anti-Call of. Parce que tu le soutiens, toi ? Non, je ne soutiens pas. Bah, il joue un jeu. Et bah, moi, je suis neutre. Je suis peut-être pas, mais je suis neutre. Je ne soutiens pas. Mode blanc. Voilà, mode blanc. Voilà, mode blanc. Bon, bref. Alors, vous vous rappelez exactement qu'il y a un zombie ici. Forcément. Voilà. Forcément. Normalement, il est sorti pour venir nous voir, vu le hurlement et l'arme qu'on a entendu. Voilà. Et il est peut-être pendu là. Non, bah non. Bah, ça marche pas. Bon, alors, on y va ou on y va pas ? Tu veux faire quoi d'autre ? Bon, bah, on y va. J'ai peur. Attendez deux secondes. Mon testostérone activé. Attendez deux secondes. Je m'échauffe. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo, il avait pas lancé le chrono et là ça a recommencé. Ça arrive. Voilà, c'est bon, c'est parti. Tiens, bah, notre invité va surveiller le chrono quand il a peur. Donc ça veut dire qu'à 10, c'est à Bob de reprendre, d'accord ? À Bobby. Propagande. Propagande. Plagiat. Non, on fait 20 minutes. Mais là, j'ai enlevé 2 minutes. Alors, go Space Marine. Go. Rien qu'un coup de vent, déjà. Là, faut la jouer ninja. Bah, je suis pas là. Non. T'es fou. On peut pas tuer. On peut pas les tuer. On peut pas tuer les zombies, je précise. Bah le problème c'est qu'il fallait avoir la lanterne et comme tu te souviens... On a plus de lanterne. On a plus. Voilà. Vas-y. Donc il faut arriver à... Magie. On a plus l'huile mais on a encore la lanterne. C'est épique. Bon bah bonne chance. C'était ce qu'on appelle quelque chose de très utile. Donc on avance dans le noir. Déjà, il est pas là. On va en fermer la porte. Oui. Attends, d'abord on trouve une lumière, non, avant de fermer la porte. Oui. Si. Tu fermes la porte et après tu trouves une lumière. Enfin bon, déjà, de la madou. Donc de la madou, nous l'avons dit précédemment, c'est comme des boîtes d'allumettes, ça permet d'allumer. C'est boîte de... Non, il faut d'abord fermer la porte avant, parce que tu vas allumer la lumière, ça va attirer. Logique. Ah ouais, forcément. Ça se retrouvait... Mais notre personnage perd les pédales, sans... Sans lumière. Et donc tu vois, comment dire, on a un équilibre mental qui fait. Voilà, on a un équilibre mental et là on est sur le point d'exploser. En gros. Regarde, la tête d'abord l'explosion et les mains tremblent. Donc déjà il est pas bien. Comme je l'ai dit sur les précédentes vidéos, pour ceux qui ont regardé, il y a 3 stades. Le stade vert, donc tout est ok ou enfin clair comme de l'eau de roche et un léger mal de tête. Le stade jaune c'est celui-là, au bord de l'explosion et les mains tremblent. Et le stade rouge c'est 3 petits points. Donc tellement il est au bord de l'explosion, tellement il est raide mort qu'on peut pas décrire son état. Voilà. Donc j'aimerais juste trouver de la lumière là parce que je commence à flipper comme une merde. En fait je crois qu'il n'y a pas de lumière. Ils l'ont fait exprès. Bon, de toute façon on a tout exploré ici, il n'y a rien, on est d'accord. Mais il faut. Je me souviens qu'il fallait trouver une fucking clé. Attends, on sort. Très doucement. Bon, là tu la joues ninja. Il y a un zombie parce que l'image est floue. Tu te barres. D'accord. L'image est floue parce qu'il a peur. Notre père qui est, c'est un
n'es pas un défaut graphisme, c'est normal. On fait quoi? Bah tu pars. Bah là, là-bas, là où c'est éclairé. Par contre, attends, il y a de la madou là. Mais fais pas peur comme ça. Désolé. Je ne le referai plus jamais. Ok. Donc bah on va continuer. Hein. Encore 5 minutes de jeu. Allez. Quand t'entends un gros bleh, c'est que t'es dans la merde. Alors comment on fait pour quoi? C'est mage. Bah attends, on va attendre qu'il se calme, hein, parce que là il nous a l'air... Ah non, Enfin, je sais pas si on peut qualifier son état de raisonnable, mais bon. Ouais. Pour une fois, son équilibre restaure... respecte le nôtre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que là... Donc, vous entendriez ses mains, c'est que ça va... Mais attends, oui, il faut trouver une clé, parce que là, la femme qui crie... Oui, déjà, parce que normalement, la salle que vous auriez vu, enfin, que vous avez vu dans l'épisode précédent, elle est fermée à clé, et donc on est logiquement obligé de trouver une clé. Souffle, comme une femme qui est sur le point d'accoucher. Souffle, souffle, souffle. Donc là, t'es dans la merde. Alors là, je... Oh putain. L'obscurité peut servir de couverture, mais putain, on s'en fout des conseils inutiles! Allez, c'est plus sûrement qui ont fait quelque chose. Oh la vache! Oh mon dieu! Oh, il revient en plus, putain, bon, il arrive par là, là! Ah putain, ma mère! Putain, cours, 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 cours! T'as la touche mal, c'est ta! Cours! On a gueulé, hein, donc. On a trouvé comment on a crié. Oui. Il n'y a qu'après 5 mois de continuer. Putain, on va pas s'en sortir. Bon, quand même. Bon, on dit qu'il va vous arrêter de récupérer. Oui, je pense. Bon, bah, on va retourner. Donc en fait je crois qu'il faut d'abord que tu trouves la clé avant de revenir. Parce qu'en fait quand il revient ça veut dire que t'as pas fini dans ta salle. Oh la vache. Putain. Et plus jamais ça. Enfin plus jamais ça, il y en aura encore. T'es encore plus surprenant d'ailleurs. Putain. Mais c'est dingue. Oh là là, c'est dingue. T'as toujours jamais été si surpris comme ça de ma vie. Mais où cette clé? Je sais pas du tout. Allez, Joséphine Lange Gardien, t'as bien réussi à nous allumer la torche, alors je sais pas moi. Non mais là on en a plus. Voilà, attends qu'il s'habitue. Bah normalement la clé elle brille, donc essaie de. Comment dire. De chercher à travers les barils. Enfin derrière, genre pousse les barils et cherche. Parce que des fois ils nous font le kiff de nous mettre là. Bien caché. Par contre, attends, quand je t'en bas. Baisser le son peut-être. Ouais parce que là. T'as plus qu'une minute. Oh génial, une minute et demie, après c'est mon tour. Voilà. Pas de clé. Je ne comprends pas, parce que normalement, si je me souviens bien, la clé est dans cette salle. Alors peut-être qu'on l'explore comme des cons, hein, mais... normalement la clé elle brille, donc ça devrait normalement être facile. Pas de torche, rien du tout, oh là là. Et en plus avec un zombie qui rôde. Ouais, regarde, un mec qui tremble. Ah, à la limite, regarde, il a mis Satan sur le mur. Attends, peut-être qu'il y a une salle là, derrière, j'ai jamais fait le seul. Non, jamais par là. Ok. Putain, je sais pas où il faut aller, je ne vois qui. On a plus d'huile surtout, c'est ça le mur. Mais voilà, c'est ça. Ah putain.
Je te jure, même quand j'ai fait mon jeu, moi, pour la première fois, j'ai été surpris plus d'une fois, hein, c'est pas le souci, mais là, je te promets, j'ai jamais autant eu peur de ma vie. Parce qu'en général, je les voyais de loin arriver. Donc là, ça allait, je pouvais encore limite gueuler, mais voilà. Mais là, il est arrivé, genre bam, d'un coup, genre ninja, quoi. Oh putain, je te jure, j'ai eu peur. Je te jure, j'ai eu la peur. Attends, il y avait une boîte d'amédo. Bon, en tout cas, je crois que c'est à toi, Bobby. T'es sûr? Oui, c'est à toi. À 15 secondes près. Voilà. Je vais t'en pause. Putain, là, je te jure, je vous jure que là, c'est moi qui ai le cerveau limite en train d'exploser et les mains qui tremblent. Si vous verriez mes mains, je vous jure que vous m'en croiriez. Bon. Oui, bon. T'as coupé là? Bon alors, elle peut être où cette clé? Bonne question, parce que je... En fait, je... Mais non, c'est bon ici. Non, c'est pas bon ici. On n'est pas venu par là. Ah mais oui, je suis bête. La femme qui crie, elle est pas là. Oui, non, ça va. Donc je pense que c'est là-bas, peut-être. Oh la vache. Putain, mais j'ai peur, là. Donc on sait où il est, en tout cas. Il risque de partir, je pense. Ouais, il part, normalement, je crois qu'il ne part pas tant qu'on n'a pas trouvé la clé. Donc au moins, on sait que c'est pas par là. Mine de rien, on peut le remercier, mais en même temps... Il nous a fait super peur, hein. Ah, je remercie que d'amour. Vous êtes là, je pense. Oui, en plus on a trouvé, donc... Ouf, trébuché. Allez, habitue-toi. Allez. Ouf. Ouf. Oh, madame Edou. Mais où est-ce qu'elle est, cette fucking clé, quoi? Putain, je me souviens. Le pire, c'est que je crois qu'elle est dans un endroit vraiment tout con, en plus. Genre ça. Ouais, ils auraient pu être salauds, ils en avaient juste derrière, tu sais. Regarde les étagères. Bah, tu crois que je fais quoi, là? Il y en a qui brille, là. Ouais, non. Un peu à droite, là, putain. Ouais, bon, on cherchera la solution, parce que là, sans déconner, je ne sais pas du tout où elle est. Alors, attends, on est rendu à combien? Bon, je suppose qu'il nous reste encore genre 7 minutes. 8, en fait. À 15 minutes près. Enfin, à 15 secondes près, pardon. Alors... Ouais, donc là, on a trouvé les deux bâtonnets que vous avez vu la dernière fois, hein, genre ces deux-là, là. Alors, si je me souviens bien, il faut les mettre... Ça sert dans la salle des machines. Et ça sert à actionner... c'est ça qui permet de débloquer l'ascenseur. Pour débloquer l'ascenseur, il faut aller dans la salle des machines. Et vous connaissez la chanson, on n'a pas la clé. Donc, on est baisé. Donc... l'huile, alors. Oui, bon, déjà, trouver de l'huile. Déjà, c'est important. Ensuite, mais vu qu'on a beaucoup d'amadou, bon, je vous le dis honnêtement, à la base, l'amadou, on est censé s'en servir à la fin du jeu. Pourquoi? Parce que à la fin du jeu, je ne spoile pas, mais je fais une astuce plutôt, je dis une astuce. À la fin du jeu, presque tout est éclairé déjà. Déjà, c'est un bon point. Et il faut savoir jouer sur la lumière, parce que bon, c'est éclairé, mais voilà, on pourrait avoir mieux. Donc les zombies, on les voit, hein. On les voit bien d'ailleurs, vu que c'est mieux éclairé. Et comment dire, la lanterne, on s'en sert vraiment plus à partir d'un certain moment. Le fait qu'on ait plus d'huile, en fait, ça devrait servir, mais justement qu'à la fin du jeu. Genre, à la fin du jeu, si on a plus d'huile, c'est limite un bon point. Voilà, parce qu'à la fin, voilà, c'est vraiment tout. Ça sert plus à rien, en fait. Voilà, c'est ça. Ça sert plus à rien. Ça sert au début, parce que voilà, mais... Je me remets de cette... Oh putain. Je suis encore sous le choc. Oh la vache. Et le pire, c'est que, tu sais, d'habitude, les joueurs qui... Voilà, les joueurs qui font les trucs en général... Oh la vache. Ils sont habitués à ce genre de trucs, mais nous, ça... Ouais. Bah, nous, même non. Moi, hein, c'était le premier qui a surgi comme ça. Oui, alors, tu m'excuseras, mais moi, je me sens plus en sécurité comme ça. Oui, mais du coup... Je suis peut-être piégé, mais au moins, dans l'ombre, il me voit pas. Et lui, non. Et moi, enfin, moi, je le vois, vu que lui, il a une peau blanche. Moi, je sais pas comment je sais pas si je suis un arabe, un blanc, un juif, je sais pas. Désolé si vous avez pris ça racistement, je sais pas. Juste, l'amadou sert beaucoup. Voilà. Mieux que la lampe torche. Enfin, mieux que la lanterne. Alors, je vous promets, je suis sûr que je ne dis pas de conneries, mais je suis sûr et certain à 2500 milliards de pourcents que la clé est ici. Alors, bon, après, si je me trompe, j'aurais vraiment la première fois fait sors le jeu. Sors de cette salle, parce que là, ton mec, il devient dingue. Ah oui, alors attends.
Ah bah voilà, voilà. Et... comme je te l'avais dit, le petit enfant, regarde ça, voilà, bon désolé. Hein. Voilà, c'est ça, c'est son équilibre mental quand on est vraiment dans la merde. Donc, à un certain moment, quand il est vraiment en train de flipper, il se couche par terre, il a les oreilles qui sifflent, donc nous on est en train de faire le bruit de traçon, genre brrr, comme ça. Et s'il a ça trois fois et qu'il crève pas, et ben il crève. Voilà. Arrêt cardiaque. Voilà, bon, arrêt cardiaque, il a une chance, une sorte de deuxième chance comme dans Call of Duty, mais sauf que là, c'est t'as deux essais, donc voilà. Ouais. Enfin, quoique, je sais pas si on peut. Sors d'ici alors. Alors attends, j'ai vu plein de bougies, donc je peux les allumer. Bah, j'ai vu des bougies ici. Ah bon ? Tu n'en avais pas ? Non, non, non. Je les ai cherchées tout à l'heure. Bien sûr. Non, c'est des sacs à pas. Ah ouais, regarde, l'écran bouge tout seul, il y a un léger décalage. Ah ouais, ouais, donc là, on est vraiment, vraiment mal. Ah, je te parie, sors de cette salle. Mais quelque part, c'est un peu con parce que quand il s'est. Après avoir eu la deuxième chance, il se relève, genre full énergie. Genre là, tu vois, ce serait le bon écran quand il y a un zombie qui te court au cul, par exemple. C'est un exemple. Voilà. Donc, la clé, on la voit toujours pas. Hein. Le pire, c'est que maman, elle est mise en évidence. Hein. C'est ça, là. Mmh. Ouais, j'ai cru voir un truc. Faut attendre qu'il se calme. Ouais, ouais. Faut déjà. Ah, bah voilà. Déjà, ça va mieux. Ouais. C'est beaucoup cher. Ouais, bah en même temps, tu vas me dire, il y a des mouches, on devine pourquoi ils sont là. Hein. Ils sont là, leur boulot, c'est de bouffer la merde. Hein. Les trucs en décomposition, ça les connaît aussi. Vire une caisse. Ouais, moi je ne dégrade pas le matériel. Si je peux déglinguer les zombies, ouais, mais malheureusement on ne peut pas. Donc, quoi ? Oh ouf, mon supplice est presque terminé. Alors, cette fois, on va pas jouer les cons. Bah, je sais pas, hein. Mais, comment dire ? si j'arrive pas à trouver, parce que là franchement je suis paumé, hein. Il y a peut-être un zombie, mais ça veut dire que quelque part la soluce est là et qu'on la voit pas tellement on est con. On essaiera de regarder, on essaiera, hein, je dis bien, et on essaiera de trouver la soluce parce que là sans déconner, bon, on a peut-être trouvé pour la bombe Ikea, mais voilà quoi, on avait vraiment fait ça. Et moi je croyais que c'était une connerie. Ouais, 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 à la base il croyait que de mettre des trucs dedans, bah, c'était une connerie, alors qu'en fait c'était le bon truc. Oh, je sais pas, faut peut-être faire une énigme. Oui, parce que je te l'ai pas dit, mais quand notre mec résout des énigmes, son état mental s'améliore. Ouais. Et en bien, heureusement. Tu veux retourner voir le zombie une petite dernière ? Non, c'est bon, on verra bien assez. Tout, oui. Alors, attends, j'avais marqué quoi déjà ? Pièce de machine. Bon, pièce de machine, ouais, attends. Pièce de machine, donc, c'est les pièces. Hein. Les pièces, on les a. Mais j'ai pas vu de salle. Peut-être que. Alors peut-être, hein, je dis ça, je dis rien, mais peut-être qu'on se bourre carrément de salle. Ah, il y en a plein, donc autant observer les autres. Alors, on a récupéré les pièces, après on voit cette porte ouverte. Donc, parce que quand on l'ouvre pour la première fois, je suis sûr que c'est là. Hein. Ouais, mais je vois pas d'autre endroit. Hein. Bon. Bon, là, je vous dis. On voit rien. Ouais, on voit rien, et heureusement, on voit peut-être rien, ça fait peut-être peur, mais au moins on est safe. Va au milieu. Au centre. Au centre. De quoi ? Un poteau. Va au centre de la salle. Il y a un poteau, il y a quoi ? De l'ombre. Beaucoup d'ombre. Non, il y a deux poteaux. Lève la tête. Le plafond. Avec des traces de pas. Enfin, des traces de pas. Des bruits de pas. Des bruits de pas, pardon. Non, c'est ton cœur. Je fais tadam. Ah, moi je vous le dis, hein, Amnesia, ça m'a, quand je l'ai fait la première fois, ça m'a vraiment fait le pipi. Mais là, je pense que même le jeu a donné. Quel tapis ? Quel tapis ? Tapis, c'est ça que j'ai pris. C'est quoi ça ? C'est un tapis, ça ? Ah oui, pardon. C'est une carpette, vas-y. Déroule-le, tu peux pas ? Non, c'est juste un élément. Putain. Merde ! Non, je suis sûr que c'est là. Hein. Mais. Ah ouais, mais. Là, mon équipe mentale, là, bizarrement, on sait qu'il y a un zombie, mais il s'affole pour rien, alors que là, il y en a pas. Mais normalement, hein, il y a des fois. Parce que des fois, bon, habituellement les zombies, quand on les croise, c'est comment dire, aléatoire, on va dire. Et moi, quand je les ai croisés, parce que dans ce jeu, là où on a commencé les vidéos, on les voyait, mais c'était des zombies pour faire peur, ouais, simplement, bah, t'es méchant, c'est pas de zombies qu'il y avait pour. Voilà.
Objectif de te tuer. Bon, voilà. On va vous laisser. Non, attends, juste un petit dernier truc. Il arrive que des fois, je le dis déjà. Oh, une clette ? Non, bah oui, c'est les patates. Il arrive que des fois, donc je l'ai dit, quand vous mourrez une ou deux fois sur le même endroit, le zombie s'en va. Mais celui-ci, il est, enfin, quand on n'a pas fini une salle, il y a obligatoirement un zombie qui est là pour vous dire, en gros, non, vous n'avez pas fini. Donc, voilà. Quelque part, c'est voilà, donc pour nous, ça nous a bien fait flipper. Donc moi, je ne le savais pas, parce qu'en général, bon bah moi, j'avais vraiment torché le jeu la première fois. Et donc, bah voilà, c'est juste pour vous dire ça. On va vous laisser, on va chercher de notre côté, peut-être qu'il y aura une ellipse. Voilà. Bon bah c'était Yami et Bobby pour l'épisode 4, qui là par contre nous était vraiment le premier épisode sur les 4 qui fait vraiment flipper. Parce que là, voilà, là vous avez vraiment eu un zombie. Bon voilà. Bon bah salut tout le monde. Donc moi déjà je vais essayer de me remettre. À plus les gens.